Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Et cette fois, je suis avec le Sony Xperia Z5, le tout nouveau smartphone haut de gamme de Sony qui arrive quelques mois seulement après le Z3 Plus qui était sorti chez nous et qui nous avait pas mal déçus. Donc là, on va voir si avec ce Z5, Sony a corrigé le tir et qu'est-ce que la marque est capable de proposer pour son téléphone haut de gamme. Donc déjà on va commencer par le design. Alors on est sur un téléphone qui, comme le Z3 Plus, fait 5,2 pouces. Enfin l'écran fait 5,2 pouces avec une définition Full HD. Donc il faut savoir que ce téléphone sort en même temps que deux autres, le Z5 Compact. Donc le Z5 Compact fait lui 4,7 pouces avec un écran HD. Et le Z5 Premium qui fait les mêmes dimensions que celui que j'ai entre les mains, mais avec cette fois un écran 4K à définition bien plus importante. Donc on va se focaliser d'abord sur celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, on reconnaît le design des téléphones Sony. Donc on a toujours l'interface, j'y reviendrai après, on a toujours les touches tactiles directement sur l'écran. Les bordures sont plutôt fines. Au-dessus, on a le logo Sony et une caméra frontale de 5 mégapixels. La barre noire ici en dessous, absolument rien. On a les deux haut-parleurs qui sont situés à chaque extrémité là sur les bordures, juste ici et juste là. Je vais approcher un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite fente ici. Donc c'est un des deux haut-parleurs qui envoie plutôt un bon son. On retourne le téléphone et on a un très beau design avec toujours du vert. Donc cette fois c'est du verre poli, donc deux plaques de verre de chaque côté, et donc cet effet mat est permis par un nouveau procédé de fabrication de chez Sony. Donc du coup ça marque plus du tout les traces de doigts, ça c'est un super point. Comme vous pouvez le voir, le logo Sony ressort un petit peu et il est texturé d'ailleurs, on sent au toucher une petite différence par rapport au reste de la coque. Le logo Xperia toujours en dessous, le logo NFC juste au-dessus. Et dans le coin supérieur gauche, le nouvel appareil photo 23 mégapixels Exmor RS de chez Sony avec son flash LED. On reviendra dessus tout à l'heure. Lorsque je regarde le téléphone sur la tranche, on voit au-dessus la prise casque 3,5 mm et un micro pour la réduction du bruit. En dessous, la prise micro USB 2.0 et un emplacement pour une dragonne. Sur la tranche gauche, une trappe. Alors, la trappe que je vais vous ouvrir rapidement. Donc, c'est la seule trappe qu'il y a sur le Z5 et qui permet au téléphone d'être parfaitement étanche. Voilà, les autres ports n'ont pas besoin de trappe. Et ici, c'est l'emplacement pour mettre la carte SIM ainsi qu'une carte micro SD si vous voulez étendre la mémoire de stockage. Vous pouvez aller jusqu'à 200 gigaoctets. Et là, petit détail, mais qui fait quand même la différence, le petit logo Xperia sérigraphié. Voilà, bien classe, hein, c'est les petits détails à chaque fois, mais c'est comme ça que Sony améliore aussi le design de ses téléphones sans changer radicalement la formule. Et enfin, grosse nouveauté de cette nouvelle gamme Z5, c'est le lecteur d'empreintes ici, qui sert également de bouton de mise sous tension. Donc avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un petit bouton rond qui ressortait. Cette fois, on a un bouton plat, un petit peu plus large, donc qui va servir à la fois à allumer l'écran lorsque j'appuierai dessus, mais également à déverrouiller, verrouiller ou déverrouiller le Z5 lorsque je mettrai n'importe quel doigt dessus. Donc évidemment, quand vous êtes droitier, c'est plutôt le pouce. Si vous êtes gaucher, ça sera plutôt l'index ou le majeur. Juste en dessous de ce lecteur d'empreintes, on a le bouton pour régler le volume. Alors, il était déjà en dessous du bouton de mise sous tension dans les modèles précédents. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu baissé encore, ce que je trouve pas forcément très pratique, surtout quand on en appelle, qu'on tient son téléphone comme ça, et qu'on doit aller chercher les boutons pour baisser ou monter le volume. Voilà, je trouve pas ça très pratique. Après, c'est un avis personnel, mais c'est pas très bien placé. On aurait peut-être préféré justement le trouver plutôt là, à peu près à ce niveau. Et juste en dessous, le bouton dédié à la photo. Donc vous allez juste
appuyer dessus et ça va ouvrir l'application photo. Il y a la gestion de la pression aussi, c'est-à-dire que si vous appuyez un tout petit peu, ça va faire la mise au point. Si vous restez appuyé, enfin si vous appuyez plus fort, ça prend la photo exactement comme sur un réflexe. Donc voilà pour ce qui est du petit tour du design. Donc pas de batterie amovible, hein, voilà. Ça fait longtemps que c'est plus le cas sur les téléphones haut de gamme de chez Sony. Mais un design vraiment très réussi avec donc du verre poli ici, du verre classique ici et un cadre en aluminium. Tout ça, ça respire la solidité et la qualité. On va passer maintenant à l'interface. Donc ce Z5 tourne sous Android 5.1.1 Lollipop avec bien sûr la surcouche maison Sony UX. Donc rassurez-vous, certes Android Marshmallow vient de sortir, pour l'instant il n'est pas sur le Z5, mais c'est sûr qu'il arrivera. Sony a un très bon support des mises à jour et comme il s'agit de son nouveau haut de gamme, il y a toutes les chances que ce dernier soit mis à jour vers Android 6. L'interface, bah, si vous connaissez un petit peu Lollipop et Sony, vous ne serez pas perdu, hein, c'est du grand classique. On a toujours le panneau des notifications ici de Lollipop. Donc avec les raccourcis vers les différentes fonctions, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Le réglage de la luminosité. Tout ça est personnalisable en appuyant ici. Vous pourrez choisir ce que vous voulez mettre dans vos raccourcis. Donc ça c'est du classique. Ici les différentes notifs. Le petit bouton pour toutes les effacer d'un coup. Voilà, en appuyant là. Une pression longue sur le bureau vous permet d'ajouter des widgets, de changer le fond d'écran ou les thèmes de chez Sony. Donc on a l'habitude, voilà, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je reviendrai pas dessus parce que ça, c'est quand même du connu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors on a évidemment quelques applications préinstallées, mais franchement pas trop, donc ça c'est un très bon point. On retrouve les classiques musique, donc Walkman, album, galerie, vidéo et enfin PlayStation, donc tous les services Sony mis en avant. Il y a d'autres applications qui sont préinstallées, comme jeux Gameloft ou livre Kobo. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir, en restant appuyé, vous voyez toutes les applications où il y a des petites croix, c'est celles qu'on peut supprimer. Donc évidemment, il y a celles que vous avez installées vous-même, mais il y en a également qui sont préinstallées et qu'on peut quand même retirer. Donc ça c'est top. Voilà, on n'a pas d'appli superflu et obligatoire, hein, sinon on est obligé de router le téléphone, etc. Là vous voyez, il y a l'appli dessin, il y a Track ID, tout ça c'est des ajouts de Sony, partie chère, livre Kobo, jeu Gameloft, voilà, autant d'ajouts. Si vous les utilisez, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, ben, vous avez juste à appuyer sur la petite croix, voulez-vous supprimer, ok. Et voilà, donc on apprécie que Sony propose une interface, non pas stock parce qu'il y a bien une personnalisation, mais en tout cas avec très peu d'applications. Ça c'est un excellent point. Je vais vous parler un petit peu de l'écran. Alors l'écran, donc comme je vous le disais au début, fait 5,2 pouces, une définition Full HD. C'est un écran avec une technologie IPS, donc il y a des très bonnes couleurs, d'excellents angles de vision. Donc vous verrez tout ça sur mon test complet, hein, sur fond Android. L'écran est de super qualité. La luminosité maximum est également énorme. Alors je vous montre ça, là je suis en luminosité max, mais avec la luminosité en mode automatique. Donc si jamais vous voulez désactiver ça et monter encore plus haut, vous allez dans affichage, adaptation de la luminosité, vous voyez c'est activé, et si je le désactive, voilà, ça monte encore d'un cran. Donc là je suis vraiment à fond au niveau de la luminosité, c'est vraiment appréciable, surtout quand vous êtes en extérieur, qu'il y a pas mal de lumière. Après, dans un usage quotidien, voilà, le mettre en luminosité automatique, c'est largement suffisant. Moi, je vous avouerai que j'ai très peu utilisé vraiment le max-max. Hein, voilà, je laisse adaptation de la luminosité et ça suffit largement à ce que ça reste lisible. On a bien sûr toutes les technologies Sony pour mobile qui sont activées par défaut. Donc là, c'est X-Reality pour mobile qui améliore le rendu. Donc là ils vous font un petit avant après, bon, évidemment c'est un peu exagéré, mais voilà, ça participe de la qualité de l'écran. Il y a également un mode très vif.
Et vous pouvez aussi, bonne chose, même si la balance des blancs, je trouve, est assez bien réglée dès le départ, vous pouvez, voilà, jouer vous-même sur, le rouge, le vert et le bleu pour changer la balance des blancs. Donc ça, c'est une option, qui est appréciable aussi. Tout le monde ne mettra peut-être pas les mains dans le cambouis, mais en tout cas, c'est bien cool de l'avoir. Bon, la taille de la police, etc. Ça, je vais pas m'attarder dessus. Tout ça pour dire que l'écran est vraiment d'excellente qualité. Donc sur l'interface, alors je vous ai montré l'appui long, je vais vous montrer également le multitâche, donc ça c'est du multitâche Lollipop. Et on a bien sûr les micro-applications qu'on connaît également depuis pas mal de temps chez Sony. Donc là un petit refresh hein, du design. Donc les micro-apps, je vous montre, vous appuyez là. Vous avez simplement à rester appuyé dessus, non pardon, à appuyer dessus une fois et elle s'ouvre en pop-up. En fait, c'est ça les micro-applications, c'est des fenêtres pop-up qui restent par-dessus l'interface, quel que soit voilà, ce que vous faites. Donc peu importe où vous allez, vous avez cette fenêtre que vous allez pouvoir redimensionner, fermer, agrandir. Donc c'est vraiment bien pensé et évidemment vous pouvez en afficher plusieurs. Donc là voilà, j'ai mis le navigateur, je peux mettre le timer. Vous voyez, et je déplace vraiment tout ça à ma guise. Là, j'appuie ici pour agrandir la fenêtre. Ici, j'ai les options. Là, je peux fermer. Donc ça peut s'avérer assez pratique. Et ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir créer, enfin créer, ajouter plutôt vos propres micro-apps grâce au widget. Vous allez ici, vous appuyez sur plus et vous avez convertir vos widgets favoris en micro-applications. Donc toutes les applications que vous allez installer sur votre téléphone, pourvu que les apps proposent des widgets, elles peuvent se transformer en micro-applications. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je sais pas, je prends un exemple. Par exemple j'ai installé Antutu pour faire des tests de benchmark. Et vous voyez, Antutu propose ce petit widget là d'alimentation. Donc hop, vous le renommez et il vient s'ajouter ici. Et voilà, le widget Antutu peut se transformer en micro-app. Donc plutôt que de l'avoir juste, je sais pas, sur un de vos bureaux à côté, vous pouvez l'afficher ici par-dessus. Donc ça, c'est des petites options comme ça qui enrichissent l'interface Sony. Et c'est plutôt bien fait. Je vais vous faire un petit tour sur l'application Walkman. L'application Walkman mélange comme d'habitude vos propres sons et également les musiques que propose Sony hein, dans sa bibliothèque. Voilà, ils mettent quand même en avant leur artiste. Ici on a le menu, donc toujours la possibilité de trier par album, par artiste, tout ce que vous voulez, et même Spotify. Donc du coup ça en fait une application assez complète parce que vous allez pouvoir avoir aussi bien des contenus locaux que des musiques en streaming en passant par Spotify. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la qualité du son. Donc je rappelle, les haut-parleurs sont situés juste ici. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, ils sont quand même bien cachés, mais je peux vous assurer que ça envoie quand même pas mal. Donc voilà l'affichage des pochettes. Et là, pour vous donner une idée, je suis à peu près à la moitié du son. Je vais mettre à fond rapidement. Donc voilà, ça envoie pas mal, la qualité est là, c'est assez clair le son. Bon, quand vous êtes au maximum, ça commence un petit peu à saturer, mais franchement, la qualité sonore est vraiment top. Et donc, en plus de cette application Walkman, vous allez pouvoir gérer le son vous-même. Donc, il y a quelques réglages qui sont possibles. Vous allez dans Réglages audio. Et donc là, vous voyez, j'avais même pas activé l'Audio Clair Plus pour optimiser le réglage du son. Il y a d'autres options, il y a également le DSE HX.
Donc là, c'est pareil, c'est pour restaurer le son sur des fichiers qui sont compressés, donc type MP3. C'est pour améliorer la qualité de ces fichiers. Donc autant d'options qui sont plus ou moins automatiques, mais si jamais vous voulez avoir un petit peu plus la main sur les effets sonores, vous avez toujours l'égaliseur ici pour régler les basses, les aigus, etc. Donc l'optimisation automatique. Encore une fois, voilà, c'est des pré-réglages et ça participe vraiment de la qualité audio globale du téléphone. Alors malheureusement, moi j'ai pas pu tester les écouteurs parce que sur la version test que j'ai reçue, il n'y avait pas les écouteurs dans la boîte. Mais si j'ai l'occasion de les tester plus tard, je vous en parlerai. Je ferai une petite mise à jour de mon test que vous pouvez trouver sur Phone Android. Donc voilà, bon, l'application album, là c'est pareil. C'est du connu. Alors, je vous montre ça rapidement. Voilà, donc toutes les photos s'affichent. Alors, vous les affichez par date ou autre. Toujours les deux doigts permettent comme ça de zoomer et dézoomer pour changer l'affichage. C'est très efficace. Application vidéo, du classique. Et ici, tout un hub PlayStation. Donc, bon, l'appli PlayStation classique. PlayStation Vidéo, PlayStation Music et même le Remote Play. Alors, c'est pas installé par défaut, c'est moi qui l'ai mis, mais Sony vous propose de mettre le Remote Play pour ceux qui savent pas. Vous allez pouvoir en fait utiliser l'écran de votre téléphone comme écran déporté de votre PS4. Donc, ça voilà, c'est vraiment top si jamais je sais pas, vous êtes dans une autre pièce, vous voulez juste jouer à un petit jeu avec l'écran de votre smartphone ou même appairer une manette PS4. À votre téléphone Sony, vous pouvez faire tourner la PS4, je sais pas, dans le salon et jouer sur votre téléphone dans la chambre. Donc, si la télé est monopolisée, ça peut être assez pratique. Et je vais terminer, je pense, cette vidéo sur l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, c'est pareil, c'est une des grosses nouveautés de ce Z5. Alors, je vais prendre quelque chose. Voilà, je vais prendre cette montre. Donc l'appareil photo est vraiment excellent. Donc on est sur un 23 mégapixels de chez Sony. On sait que Sony fournit énormément d'autres constructeurs en capteurs photo, mais que c'est pas toujours lui qui optimise le mieux sur ses propres appareils. Cette fois, c'est vraiment top, hein, voilà. L'autofocus est ultra rapide. Les clichés sont d'une qualité assez dingue, surtout quand vous avez une très bonne lumière. Donc là, je suis en mode automatique. L'occasion de vous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de modes photo, plus ou moins utiles, hein, les ralentis, les effets créatifs, la réalité virtuelle, beaucoup de choses. Alors bonne nouvelle, même quand vous êtes en mode automatique, vous pouvez changer la résolution. Donc là, je suis en 20 mégapixels pour garder pardon le format 16:9. Par défaut, c'est sur 8 mégapixels 16:9, donc je suis monté à 20. Si vous voulez exploiter les 23 mégapixels, en revanche, ce sera au format 4 tiers. Et si vous souhaitez avoir complètement la main sur vos photos, vous avez le mode manuel. Où là, les scènes, donc elles seront plus détectées automatiquement. Vous devrez les choisir vous-même. Voilà, en fait, en mode automatique, l'appareil photo reconnaît lorsque vous êtes en train de capturer un paysage, un portrait, gastronomie, si vous êtes adepte du food porn, la plage. Enfin bon, voilà, ça reconnaît tout. Donc là, si vous êtes en mode manuel, vous pourrez sélectionner ça vous-même. Les réglages classiques, donc active ou non le mode HDR, la balance des blancs, la luminosité, enfin voilà, tout ce qu'on peut vouloir régler, vous pouvez le faire. Les ISO, le mode de mesure, le stabilisateur d'image ou non. Donc, si jamais vous voulez pas mettre les mains dans le cambouis, je peux vous garantir que le mode automatique il prend également de très bonnes photos, mais c'est bien de laisser la possibilité. Voilà, hop, je vais vous montrer. Si vous voulez retrouver plus de photos, hein, vous allez sur mon test, mais c'est pour vous dire que voilà, la qualité est vraiment top. Il y a un très très haut niveau de détail. Et pour la vidéo, alors, il y a un très bon stabilisateur d'image pour la vidéo qui est très très efficace.
Et pour ceux qui se posent la question de la vidéo 4K sur le Z5, eh bien ça fonctionne parfaitement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors Sony, c'est marrant parce que Sony met quand même un message d'avertissement en disant que si l'appareil chauffe trop, l'appli peut s'arrêter seule, mais votre vidéo sera quand même enregistrée. Donc ça, ils mettaient ça déjà sur le Z3 Plus qui était sous Snapdragon 810 et qui chauffait pas mal. Là, Sony semble avoir vraiment maîtrisé le Snapdragon 810. Ils ont fait les optimisations nécessaires et le téléphone, donc il chauffe toujours voilà, quand vous jouez beaucoup ou en enregistrement vidéo 4K, mais il chauffe beaucoup moins, c'est beaucoup moins problématique et pour le confort et pour les performances. Les performances sont bien meilleures sur ce Z5 que sur le Z3 Plus alors que le processeur est le même. Donc tout ça pour vous dire que en 4K, ça fonctionne très bien, ils vous mettent le message d'avertissement. Mais voilà, moi j'ai filmé pendant environ 15 minutes et voilà, l'application s'est pas fermée. Donc je sais pas si vous serez amené à faire plus de 15 minutes de vidéo 4K. Faut quand même faire attention parce que ça remplit très vite la mémoire de stockage. Mais c'est pour vous dire qu'au niveau performance, alors c'est un peu moins bien, certes, que certains autres téléphones, notamment ceux qui ont les Samsung qui ont le processeur Exynos par exemple, mais voilà, ça reste quand même très performant pour un usage courant. Vous n'aurez aucun ralentissement, tout se passera très bien à ce niveau. Ça chauffe, mais normalement, voilà, rien de grave, rien d'alarmant. Et donc, bah, les problèmes du Snapdragon 810 ont été résolus, entre guillemets, ou maîtrisés par Sony. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être un petit mot sur l'autonomie. Donc c'est une batterie de 2900 mAh qui permet une autonomie entre un jour, enfin Sony annonce 2 jours. Moi j'ai eu un usage assez intensif, surtout pour les besoins du test. Donc j'ai tout fait, surf, vidéo YouTube, 20-30 minutes de jeu dans la journée, etc. Bon, à la fin de la journée j'avais plus grand-chose. Mais j'avoue que j'ai pas non plus activé les différents modes d'économie d'énergie, comme le mode stamina par exemple. Donc là, vous allez dans réglages, gestion de l'alimentation, et vous avez 3 modes différents, le mode batterie faible, le mode stamina et le ultra stamina. Donc selon ce que vous choisirez, les données seront restreintes, la luminosité de l'écran baissera, le processeur, enfin, la vitesse, la fréquence du processeur sera bridée. Tout ça dans le but évidemment d'économiser au maximum la batterie. Et peut-être prolonger sa durée de vie, et voilà, si vous êtes en fin de journée, que vous n'avez rien pour recharger votre téléphone, ça peut quand même bien dépanner. Donc comptez sur une journée si jamais vous l'utilisez vraiment énormément. Après, si vous faites gaffe et que vous l'utilisez raisonnablement en utilisant les modes d'économie d'énergie, vous pourrez sûrement aller jusqu'à 2 jours. Donc voilà, c'était un rapide test vidéo du Sony Xperia Z5. Si jamais vous voulez en savoir plus, voir d'autres photos, voir les benchmarks, enfin, vraiment tout est sur mon test complet sur Phone Android. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite sur Phone Android. Merci, salut à tous.